Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo où j'ouvre toutes ces surprises parce qu'on avait fait aussi une autre vidéo où j'avais essayé de deviner. Du coup je vous mets le lien d'un petit là pour que vous ayez allez la voir. Du coup on va commencer, donc let's go! On va commencer par le paquet de Twizzies. Donc la dernière fois j'avais eu le petit chat, donc c'était un rare, donc c'était dans les roses, donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Oui, c'était un ultra rare celui-là, coucou oui. À tous d'ailleurs. Et j'ai eu le bébé serpent, il s'appelle Zan. Du coup j'espère ne pas avoir un double. Imaginez que j'ai le bébé du petit chat et l'animal de... Ah bah ça serait cool. Oui. Du coup on va ouvrir. Alors, j'ai un petit canard. Il est trop beau. Ça va, c'est facile. Si c'est pas le chat, c'est déjà bien. Alors, nous avons le dépliant. Donc c'est un duo. Il est rose comme ça. C'est ici dans... Tu me montres? Il est là. Alors... Alors les collections roses, c'est des ultra rares. Les roses claires des néons, les violets des éditions limitées et les violets avec des paillettes, c'est des... métal. Donc alors, nous allons chercher. Tu as eu le... petit canard. Donc c'est le duo bruyant et c'est Poupoule. Poupoule. Tu as eu Poupoule et ça fait partie de la collection rose. Mais du coup c'est pas un ultra rare parce qu'il n'y a pas le chat. Alors attends. Ah oui, c'est pas un ultra rare. C'est de la collection classique. Oh bah j'ai quand même eu de la chance. Donc voilà, tu as quand même eu quelque chose que tu n'avais déjà pas avant. Imagine, j'ai son bébé. Ça serait cool. Ouais, mais ça se peut pas. Parce qu'à chaque fois, il y a un... pas les mêmes. Attention. Et ben, j'ai son... Ah ouais. J'ai son bébé. Donc, tu as un duo. Et c'est Cocotte. Et il s'appelle Cocotte le bébé. Donc voilà mon premier duo. Tu as Cocotte et Poupoule. Et, mais en fait ça, en, dans les sachets, et ben en fait on peut pas en fait avoir l'animal et. Voilà. Je suis trop contente. Pour une fois tu as eu un duo. Voilà. Du coup ça m'en fait deux bébés et deux animaux. Je suis trop contente. Donc on va ensuite, on va ouvrir les Little Pet Shops. Je te laisse regarder. Ah, il y a deux personnages. Il y a la collection. On va ouvrir le... Oh, il y en a... Oh, c'est des petits, c'est des galaxies, je crois. Je vais vous expliquer. C'est les accessoires. Voilà. Ensuite, on va découvrir le personnage qu'on a. Donc, regardez. Oh, il est trop chou, c'est un... Comment ça s'appelle déjà? Une fraise. Une tortue fraise. Oh, elle est trop mignonne. En plus, j'ai un Monopoly comme ça. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, dites-nous si ça vous intéresse qu'on fasse une partie de Monopoly. Et je sais pas ça sert à quoi par contre ça. Donc voilà, elle a eu celui-ci en fait sur la petite carte. Il y a les accessoires. Pour l'instant voilà ce que ça donne. Et je sais pas ça sert à quoi, pour qu'elle mange. Sûrement. Tu peux pas la mettre sur sa tête, c'est ça? Non. Et du coup je suis trop trop contente. Et elle s'appelle comment? Oh, il n'y en a pas beaucoup. Et donc voilà ce qu'on peut collectionner. Ensuite, on va ouvrir un Lost Kitties.
Kitties. Oui, Kitties, comme Kitty. Voilà. Un chat perdu. Non, il est rose. On a une pâte à modeler rose. Waouh, Luna voulait une pâte à modeler rose. Ça tombe bien. Oui. Alors. Maintenant, j'ai enfin compris. En fait, vous voyez, il y a des taches. À côté du chat, là, il y a des taches. Et en fait, c'est en fait la couleur de pâte à modeler en fait que vous avez avec le chat. Donc là, j'ai les petits accessoires. Donc, en accessoire, on a une brosse et un papillon. C'est là que je voulais. Je voulais. C'est trop bien. Oh, il est vraiment magnifique. Donc, nous sommes le lendemain parce que hier, il n'y avait plus de batterie dans la caméra. Du coup, nous allons continuer aujourd'hui. On va continuer par une Pick Me Pops surprise. Donc, là, il y a le papillon, la carte, le sac et la surprise. Il y en a beaucoup. On a des couverts. Oh, il est trop beau. Donc, voilà à quoi il ressemble. Et il sent le caramel. Ah ouais. Franchement, il est trop choupi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore avec son petit œil marron, ouais. Son petit œil rose. Trop mignon. Ouais, il est trop chou. Là, nous allons ouvrir le Nom Noms. En fait, ça s'ouvre comme les Lost Kitties. Ça. Le petit flyer. Voilà. Donc là, il y a tous les baumes et il y en a aussi de l'autre côté. Donc, tous les gloss, voilà. Les gloss. Et en bas, ce sont les vernis vu qu'il y a, des petits capuchons. Je vous montre un petit peu tout ce qu'on peut trouver dans les sachets. Et on peut... Donc il y a vraiment beaucoup oh, de il y choix. En a rare. En fait, dans chaque, il y en a un qui est trop beau, il y en a un qui est trop magnifique. Voilà. Du coup, nous allons découvrir celui-là qu'on a. Donc, on a eu celui-là. Et après, on a une petite lumière. Trop chou. Et en fait, là, il y a une bague. On peut l'insérer dedans. A few moments later. Donc voilà. Donc on a eu le raisin. Ah oh, ça sent trop bon. Et du coup le voilà. Hatchimals. Et la poulotte ça sera pour la fin. En fait Aluna l'a gardé les meilleurs pour la fin. Ouais. On va prendre des Hatchimals et c'est écrit auras-tu des jumeaux? En fait, on peut avoir deux personnages mais qui ne se ressemblent pas. Je crois. Donc, on va ouvrir. Donc, ça, c'est la saison 3. Oui. Et il y a bien sûr une saison 4. Celle que Luna a demandé au Père Noël. Donc, il y a un petit nid. Vert. Mais avec aussi, là, le bas de la coque, on peut faire des nids. D'accord. Et le petit flyers. Et comme Luna vous le disait, il y a des codes couleurs pour les ailes. Alors, les ailes grises, enfin argentées, c'est les communs. Les roses, les rares. Les violettes, les ultra rares. Et les bleus, les éditions limitées. Et vous voyez, il y en a énormément à collectionner. Il y a des jumeaux alors. Et oui, il y a des jumeaux. Oui, mais après on peut... Oh, il y a même une licorne. Et oui, il y a vraiment du choix. Ceux qui ne savent pas comment il faut faire pour ouvrir ça, il faut frotter le cœur. Jusqu'à temps qu'il devienne rose, c'est ça? Oui.
Alors. Des ailes roses. C'est vrai, donc c'est des rares. Voilà les jumeaux que Luna a eu dans sa première coquille. Et en plus, ce sont des rares parce qu'ils ont les ailes roses. Rose. Ils sont vraiment trop choupi. Et j'ai bientôt fini leur petit nid. Ils peuvent aller dans leur petit nid. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois, il y a une fille et un garçon. Alors, attends, on va les mettre tous par là pour bien les voir. Ça en fait de la coquille, hein? Oui. Nous allons passer au suivant. Alors, à ton avis, il y en aura un ou il y en aura encore deux? Deux. On peut en avoir un aussi? Je sais pas si on peut en avoir un. Regardez, il devient rose. Waouh. Et dès qu'il, en fait, il est bien rose, et dès qu'on appuie... Et ben en fait, et dès qu'il est mou, et ben ça. Et la coquille se casse. Oui. Je crois qu'il y en a un. Alors. Un. Un seul. Et il a les ailes grises. Donc c'est un commun. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse que Luna. Fasse une vidéo où elle ouvre plein d'œufs Hatchimals. Oh ouais, j'adore les Hatchimals en plus. Donc Luna a eu celui-ci, Bibule. Donc il ressemble à ça. Et il a les ailes argentées. Ah oui. Du coup, c'est un commun. Maman, on peut même en avoir. Il est trop joli. Et en plus, on peut en avoir en tout doux, pas en caoutchouc. Ah, en velours. Oui, en velours. Donc là, vous voyez, Luna a eu des jumeaux et un commun. Ah. Et en plus, des jumeaux qui sont rares. Oui, ils sont rares en plus. Je suis trop contente. Allez, on passe au dernier. Oui, à la LOL. Donc c'est la LOL Surprise Little Sister, donc c'est les bébés. Oui, c'est les bébés. Que l'on a pris. Des grandes. Donc on y va. La toute première LOL de Luna. Elle a attendu tellement longtemps avant d'en avoir une. Depuis que j'ai 5 ans presque. Non, non, ça n'existait pas avant. Ah oui, c'est vrai. Le premier message. Alors. Mais en fait, il faut la. Il faut peut-être une petite loupe, c'est ça? Oui, c'est la petite loupe qui est... Il y a ce petit message à décoder. Alors, nous Allez, avons... là, la loupe. Ah, le sachet. Enfin, les sachets. Le petit flyer, ce que je vais regarder. Il y en a encore un là. Et du coup, là, j'ai la loupe. Et Luna, la loupe, elle va pouvoir déchiffrer le message. Alors, du feu plus une flèche. Regardez. Alors, voilà le message que l'on décrypte. Du feu et une cible égale, à votre avis. Qu'est-ce que Luna va avoir? Je vais faire des flyers. Oh, c'est un collier! Et voilà! Un porte-clés. On pourra faire une boule de Noël. Oui. On achète plein de LOL et après on fait une boule de Noël avec. Ensuite. On va ouvrir celui-là. Lui, il a pas... ils n'ont pas de chaussures, les bébés. Bah non, ils n'ont pas de chaussures, les bébés. Ils n'ont pas d'habits non plus. Ouais, si, ils ont des couches. Ah, c'était le bébé. Oh, alors on a lequel? Alors voici le bébé que Luna a récupéré. Donc c'est un glider. Franchement, il est trop beau. Regardez-moi ses cheveux violets pailletés. Même sa couche, elle est bleue pailletée. Franchement, elle est trop trop mignonne. Et voici le sac qu'elle a eu dans le deuxième sachet.
pareil, tout en glitter couleur bleue et mauve. C'est vraiment trop beau. Donc Luna a eu un ultra rare. Mais j'ai trop de chance. Merci maman. Merci. Je t'ai fait avoir plein d'ultra rares aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est le Lil Bling Queen. C'est un petit cœur rose et du coup, le petit cœur rose, on va voir ici que c'est un... Vous voyez, le cœur rose, c'est écrit ultra rare. Donc franchement, t'as eu beaucoup de chance, hein? Oui. Je vous demande un commentaire si cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de vous la tourner, de m'amuser, d'ouvrir toutes ces surprises. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. Et si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous pour de prochaines aventures. Ciao!